Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal en version française sur TV Plus Madagascar. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Mais avant cela, voici les titres. Par requête du 12 décembre 2022, les députés de Madagascar ont saisi le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'État de droit, ou HCDDED, pour demander l'avis de la Haute Cour constitutionnelle sur l'immixtion du président de la République dans les affaires de l'Assemblée nationale. Une saisine déclarée irrecevable par la Haute Cour constitutionnelle. L'implication des jeunes pour les prochaines élections est nécessaire dans la mesure où la population malgache est composée en majorité des jeunes. D'après les explications, bon nombre d'entre eux ne sont pourtant pas conscients de leurs responsabilités dans la vie politique. Les pluies persisteront et redoubleront même d'intensité du vendredi 3 mars au lundi 6 mars, toujours à cause des vents violents apportés par le cyclone Freddy, toujours en activité, a déclaré le service météorologique. À l'étranger, au moins 32 personnes sont mortes et 85 ont été blessées en Grèce dans une violente collision frontale survenue mardi soir entre un convoi de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique, ont annoncé mercredi les pompiers. À la une de l'actualité, par requête du 12 décembre 2022, des députés de Madagascar ont saisi le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'État de droit, ou HCDDED, pour demander l'avis de la Haute Cour constitutionnelle sur l'immixtion du président de la République dans les affaires de l'Assemblée nationale. Une saisine déclarée irrecevable par la Haute Cour constitutionnelle. Le HCDDED a rappelé que son rôle était de rappeler au gouvernement ses obligations selon les lois en vigueur dans le pays. Le HCDDED en appelle à chaque institution gouvernementale à assumer ses responsabilités et à accomplir le travail correspondant. Face aux revendications de quelques personnes qui ont réclamé la dissolution du HCDDED, le numéro 1 de cette institution de déclarer qu'il n'œuvrait pas pour l'intérêt de quelques individus, mais pour celui de tout le peuple malagasy. Et je vous disais en titre, l'implication des jeunes pour les prochaines élections est nécessaire dans la mesure où la population malgache est composée en majorité de jeunes. D'après les explications recueillies, bon nombre d'entre eux ne sont pourtant pas conscients de leurs responsabilités dans la vie politique. Aussi, différentes associations et organismes politiques sensibilisent actuellement les jeunes à s'inscrire sur la liste électorale, mais surtout à participer activement aux prochaines élections, aussi bien sur les réseaux sociaux que comme dans la vie réelle. Un reportage réalisé en commun par Mamtine Djemloul et Omega Ranevton. Le taux d'inscription sur la liste électorale des jeunes de 18 ans nouvellement inscrits a connu une hausse d'environ 25% auprès des Fouktanes, une hausse qui est considérable dans la mesure où une différence de 10% était notée par rapport à la précédente révision de la liste électorale selon le chef Fouktan Dissouch. En effet, les comités du Fouktan ont fourni de nombreux efforts afin d'inciter les jeunes à s'inscrire sur la liste électorale, d'où ce résultat. Toutefois, avec les élections à venir, organismes, associations et partis politiques s'attellent actuellement à la sensibilisation des électeurs pour les inciter à venir s'inscrire sur la liste électorale. Pour cette association, tous les moyens à disposition sont utilisés pour ce faire, d'après sa présidente. Sur les réseaux sociaux comme dans les Fouktan directement, les membres participent activement aux sensibilisations. L'implication des jeunes est en effet nécessaire dans la mesure où 2023 est une année électorale décisive pour Madagascar et que dans son sillage, les communales et les législatives restent à venir selon toujours les précisions. Représentant une grande partie de la population,
La participation des jeunes à la vie politique est cruciale, précise Rizalazaf Mandimbi, d'où la participation active des membres de l'association aux différentes sensibilisations. Même si un tas d'en arrive enregistre un taux d'inscription à 60%, l'association ne ménage pas ses efforts pour renforcer les sensibilisations. Pour rappel, les électeurs ont jusqu'au 31 mai 2023 pour s'inscrire sur la liste électorale selon la Commission électorale nationale indépendante. Les pluies persisteront et redoubleront même d'intensité du vendredi 3 mars au lundi 6 mars, toujours à cause des vents violents apportés par le cyclone Freddy, toujours en activité, a déclaré le service météorologique. La population des régions en état d'alerte sont priées d'être prudentes et de suivre les instructions données par les autorités régionales pour éviter tout danger, selon les précisions rapportées par Gracia Angesitwirn. Une abondance des précipitations, entre 50 et 120 mm, sera à prévoir pendant 3 jours dans de nombreuses régions et districts de Madagascar, soit du 3 au 6 mars 2023. Cette forte pluviométrie est la résultante des restes venteux apportés par le cyclone Freddy, toujours en activité, selon les explications du service de prévision météorologique. Elle aura pour conséquence une perturbation de la visibilité, une stagnation des eaux, des crues de rivières et des inondations. Les zones qui seront touchées sont en état d'alerte jaune. La région du sud-ouest est en état d'alerte verte. Bouéni, Yurumbe, Anjoui, Anos, Atsimotsnanan, Vatvavi, Fitvnani, le district de Bessalampi, Mentran, Ansalouv, Mourafenbe, Belou-sur-Tirbin, Mourndav, Manz, Analalav, Ansoui et Port-Berger. Les populations des zones vulnérables, notamment celles sujettes aux inondations, sont donc priées d'être prudentes et de suivre les instructions données par les autorités locales afin d'éviter tous les risques et dangers potentiels, a indiqué le service météorologique. Les présumés placés sous mandat de dépôt dans l'attente de leur procès constituent 55% des détenus enfermés dans les prisons de Madagascar, selon le rapport de l'ONG Humanité et Inclusion ce jour. Ces prisonniers non jugés occupent donc de nombreuses places dans les infrastructures carcérales, causant la surpopulation de ces milieux. À part la construction de nouvelles structures, les instances judiciaires devraient améliorer leurs approches et accélérer les procédures de jugement de détenus afin de libérer les détenus qui n'ont pas été jugés coupables. Les acteurs autour du monde carcéral détermineront ensemble demain et après-demain les projets d'amélioration de l'environnement carcéral dans le pays. Reportage au micro de Anne-Charles Larceau et d'Omega Ranevton. Différents volets des conditions de vie des détenus à Madagascar nécessitent des améliorations. Selon le directeur de l'humanisation de la détention et de la préparation à la réinsertion au sein du ministère de la Justice, la nutrition et l'hygiène des détenus sont négligées dans la totalité des maisons centrales. Mais le plus grand problème reste la vétusté et l'étroitesse des infrastructures carcérales. Une situation en grande partie causée par la présence en grand nombre de détenus qui ne sont pas encore passés en jugement. On a un taux de 55%, c'est ça, de personnes en détention préventive, donc qui n'ont pas encore été jugées, qui vient aussi amplifier le problème de surexploitation des prisons. Voilà, le problème de la nutrition aujourd'hui a été largement soulevé, qui est le problème vraiment phare aujourd'hui. Avec des quantités nutritionnelles qui sont bien en deçà de la normale. Afin de libérer plus de place dans les maisons centrales, les instances judiciaires devraient revoir leurs approches et accélérer les procès des personnes inculpées ainsi que les rendus des verdicts. Mais il y a aussi peut-être d'autres problématiques qui relèvent de politiques publiques et de décisions d'évolution des approches qui sont plutôt à la main des autorités du ministère de la Justice ou de l'administration pénitentiaire. Quand on parle de surpopulation des prisons, se pose la question peut-être de la détention collective, se pose la question de l'ajustement des peines, se pose la question de peut-être peines alternatives à l'incarcération.
Suite aux nombreux problèmes rencontrés par les prisons et le milieu carcéral en général, une autre rencontre des acteurs œuvrant autour de ce secteur aura lieu les 2 et 3 mars pour déterminer ensemble les solutions à adopter. Le recours aux engrais à base de sulfate d'ammonium à Madagascar, distribué aux cultivateurs par les autorités, a suscité la polémique sur les réseaux sociaux récemment. Des rumeurs circulent que cette action ferait partie d'une stratégie visant non seulement à empoisonner la terre et de manière indirecte la population malgache en accroissant le nombre de personnes atteintes du cancer, d'après les commentaires sur le réseau social Facebook. Il est vrai que l'utilisation d'intrants chimiques présente des risques, mais tout est question de dosage, selon les explications d'un expert en agriculture. Récit d'Elisa Herman sur les images d'Eric Ranefsan. La population malgache n'aurait émis aucun doute si les résultats des tests d'utilisation des engrais chimiques contenant du sulfate d'ammonium étaient accessibles au public. L'azote et le soufre sont les éléments essentiels aux plantes pour leur développement et leur bon rendement, selon les informations. L'utilisation d'engrais contenant du sulfate d'ammonium peut polluer les nappes phréatiques, surtout de l'eau que boivent les gens, surtout à la campagne, s'ils ne sont pas utilisés conjointement avec des engrais organiques selon les sources. Les engrais chimiques possèdent des caractéristiques qui leur sont propres et doivent être employés en association avec d'autres intrants. D'où la nécessité de former les cultivateurs sur leur mode d'emploi pour éviter les éventuels problèmes sur les récoltes et les risques pour la santé, d'après les explications. Madagascar est au bas de la liste en matière de recours aux engrais organiques selon le rapport publié par la Banque mondiale. Le cheptel bovin tend à décroître, d'où la diminution de la production d'engrais organiques, raison pour laquelle l'utilisation d'engrais chimiques prédomine, surtout pour les cultures d'exportation. Les cultivateurs malgaches avaient déjà utilisé les engrais chimiques auparavant et des tests autorisant leur utilisation avaient déjà été réalisés dans les centres de recherche scientifique du pays selon les sources. Madagascar dispose encore de vastes terres cultivables et le recours aux engrais chimiques s'avère inévitable dû à l'insuffisance de la production d'engrais d'origine organique, toujours selon les explications d'un expert en agriculture. À l'étranger, au moins 32 personnes sont mortes et 85 ont été blessées en Grèce dans une violente collision frontale survenue mardi soir entre un convoi de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique, ont annoncé mercredi les pompiers. Les détails sur France 24. Il y a des grues qui sont arrivées d'Athènes, deux grues exactement, justement dans cette ville de Larissa où s'est produit la collision, la vallée de Tembé. Et elles essaient en fait de soulever les wagons calcinés, pulvérisés. Les deux premiers wagons ont été complètement broyés. Et en fait, ces deux grues essaient de retrouver des survivants. À l'heure actuelle, il y a le bilan provisoire est de 32 morts et 85 blessés, dont 53 dans un état préoccupant. Le reste des 350 passagers ont été transférés par bus à leur arrivée. Alors pour concrètement rappeler les faits, eh bien, cette collision s'est produite entre un train intercité qui arrivait de la ville de Thessalonique, la deuxième ville du pays vers Athènes, un train de nuit, et puis un convoi marchandises qui allait dans la direction opposée. Ils se sont retrouvés bien sur la même rail, donc la collision était inévitable et forcément, eh bien, on se dirige aujourd'hui, ce matin, avec la levée du jour déjà vers des problématiques d'erreurs d'aiguillage. Le chef de gare de Larissa qui aurait donné l'ordre au train intercité de se mettre sur la même rail que le convoi marchandises est entendu actuellement par la police. En tout cas, pour le moment, eh bien, toute l'attention est sur les recherches, voir s'il y a d'autres survivants, des personnes qui auraient été sous les décombres. Et puis, les témoignages s'accumulent dans tous les médias grecs qui ont interrompu leur programme, des témoignages
assez frappant, assez choquant, de jeunes surtout parce que eh bien, la ville de Thessalonique est une ville estudiantine et beaucoup d'étudiants rentraient de week-end de 3 jours, puisque c'était un week-end de 3 jours en Grèce. On entend des témoignages eh bien, de gens qui criaient dans tous les sens, des flammes, de la fumée, des fenêtres qui explosent. Et tous essaient de comprendre ce qui s'est exactement passé un peu avant minuit au moment de cette collision et surtout eh bien, dans un deuxième temps, pourquoi. Il faut savoir que les points d'information des pompiers sont de plus en plus fréquents et puis surtout tout est mobilisé, toute la machine grecque, à savoir bien les ambulances, il y a 150 pompiers sur place, 20 ambulances justement pour essayer de venir en secours aux derniers survivants, en tout cas s'il y en a. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur TV+. Madagascar, au revoir. We'll be right back.